bleus et les femmes du jaune. Mais j'aurais une préférence pour les bleus. Hein. Ben, je prends le bleu, allez. Ah non, là ça va aller vite, ça va aller très vite. On réfléchit pas, on y va. On réfléchit pas, là c'est sous les 25 directement. Bah juste courir, c'est tout. De passer un bon moment. Oui. En fait j'aurais dû faire le 10. 5 km. Oh non, dans ma catégorie, pas à fond. Hein. Pas à fond. À 61 ans. 5 km. On part sur les mains. Si je peux faire moins de 15-40, je suis content. En compète. Oui, c'est dur. Bah, c'est super sympa, c'est une super expérience, un beau parcours en plus et une belle organisation. Je reviens tous les ans s'il le faut. Il y a des jolis t-shirts et il y a une médaille. Et aussi la voiture. Un jour je vais la gagner. Ah bah go, venez. Ça, bah, c'est super, on recommencera. Ouais. Finir sur le podium. Mon objectif, c'est d'être premier. Chasser sur les terres du Val-de-Marne. Je vais essayer de faire le 10 en tout 39. Je pourrais gagner le droit d'aller au vin chaud après. Faire moins de 34 minutes par exemple. Merci, merci. On se passe tranquillement dans la face. Ils sont tous devant. À la main.
Plaisir en fin d'année. Une belle dernière pour la fin de la saison. Que c'est super sympa et que ça vaut vraiment le coup. Ah bah je leur dirai de venir, 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 c'est trop bien. Et c'est le bonheur et ça fait 23 ans que ça dure. 2700 coureurs. Cette année, c'est remarquable dans le froid qui est celui que nous connaissons aujourd'hui avec de belles performances. Donc nous sommes très heureux. Le top 3 qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Voilà, le super podium des féminines, ici la fenêtre, la féminine Mérédite. Et merci à Céline qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Le dernier podium, Master, normalement. Alors, il mérite quand même 65 athlètes. Je ne sais pas s'ils reviendront l'année prochaine, mais... Si, si. Bon. Alors, je vous fais une petite démonstration. Comment ça va se passer? C'est moi. Ouais. Peut-être moi. Il y a des chances que ça soit moi, du moins je l'espère. Hein. Je sais pas, moi j'ai pas le permis, alors... Tu peux la gagner quand même. Ah, je m'inscris dès lundi à l'auto-école si je gagne, c'est sûr. T'as déjà le permis, c'est bon? Ouais, c'est nous. Revenez nous voir après, hein. Paul Martin, deux fois. Paul Martin, trois fois. Ouais. Il a la vie plus maintenant. Allez, une sommaire. On regarde bien dans le sommaire. Hein? Allez. Alors, c'est un coureur du 10 km. C'est le 477. Stéphane Vial. Une fois. Voilà. Bon, alors, quelle identité que M. le maire va contrôler? À l'année prochaine, un merci pour tout. Allô, ça va? Eh, devine, j'ai gagné la voiture. Non, mais si, sérieux, je te jure. J'ai gagné la voiture, le premier tirage, c'est moi qui ai le numéro, je te jure. Un truc de fou, j'ai gagné la voiture, je vais aller la voir, là, je te fais une photo. Alors, Régine, je vais pas venir, c'est Mathis, mon fils, qui s'est inscrit et qui m'a dit, allez, voilà, je voulais pas venir, et bien à l'arrivée, en plus, il faisait froid et tout, on était mis au lit. Mais aujourd'hui, j'ai bien fait de me lever, et voilà, 10 km et une voiture. Merci Thierry, merci le sponsor, et merci la Corrida, toujours une super course bien organisée, pas de soucis, nickel. Merci aux bénévoles, je peux vous parler, j'ai tellement froid. Merci à tous.